Depuis dimanche, je suis très gavé. Ah ouais, c'est super. Hein. J'ai mal au cul, tout ce que tu veux, mais c'est extraordinaire. C'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du old school, c'est du bonheur. Tu le referas l'année prochaine si ouais. Vous voulez. Pas d'histoire, tout impeccable, tout comme on aime. On a filé un petit coup de main un peu à tout le monde. Et voilà. Moi je suis la route, moi je suis un rider. Il paraît qu'il y a eu des changements. Donc aujourd'hui c'est quoi piscine? Donc tu sors ton canard Laurent. Lui il y a un beau canard rose pour se baigner. Un canard, j'ai un il est super bien flamant rose en fait, voilà. Mais la route, c'est ça qui est hyper important. Je bouge là, Gino. Salut les fous, donc je suis avec Christophe. Christophe, c'est le président de la Fédération des Bikers de France, la FBF. Salut, dis-nous tout, raconte-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, on est là aujourd'hui parce qu'on est sur une étape du Run Biker Tour de France, donc, qui est en fait un tour qui a été organisé à l'origine pour arriver jusqu'à la suite. La suite, comme vous qu'elle a été annulée. On a retravaillé un peu le tour pour en faire un tour sur 2500 km, 7 jours plein. En fait, nous, les bikers, roulent ensemble, dorment ensemble, mangent ensemble, se lèvent ensemble et partagent une vraie, ce que nous on veut, une vraie aventure humaine. Ouais. Voilà. Une semaine de run, qui dit run, ne dit pas course, on est bien d'accord, on revient à la fin. C'est absolument pas une course, c'est une balade. La seule chose qui leur soit, on va dire, entre guillemets, demandée c'est, ou imposée, c'est l'heure d'arrivée. Le reste, après, derrière. Combien de kilomètres? 2300, entre 2300 et 2500 km, voilà, en fonction de certains tracés, de là où ils veulent passer. Combien de bécanes? On est sur 80 bécanes. 80 bécanes, sur 2300 km, ouais. C'est la première édition, c'est ça? C'est la première édition, malheureusement, on est tombé sur une année, voilà, c'est que comme c'est plus compliqué, comme tout le monde, comme beaucoup de choses, mais quand même, on a réussi à garder le tour, à garder 80 bikers qui ont décidé de vivre cette aventure, et qui, semble-t-il, aujourd'hui, on se ravis, ah oui. Et sont prêts à revenir l'année prochaine. Nous, on a été baignés dedans depuis deux jours. On a effectivement sorti des images de gens qui vivent à la route, à la old school, comme on les aime. Ils sont très contents. D'autant plus quand ils arrivent ici, chez notre ami Philippe, ils sont reçus par une piscine, un repas de rose de fou. Pour la fin, l'année prochaine, on y réfléchit. On serait partant pour refaire une deuxième étape. D'accord. La question va être après derrière, même style d'organisation, légèrement différent, peut-être décalé sur un planning, on y réfléchit. On serait partant, maintenant on va voir un peu comment ça se présente. C'est une première ébauche, et puis l'idée de l'ébauche c'est de faire mieux l'année prochaine. Ça va. Rendez-vous pris, on sera là. Bien sûr, vous serez là. Ça marche. À plus. À plus. On coupera, on n'a pas le droit de se faire.